Bienvenue à cœur, nous sommes au cœur de la parole et aujourd'hui nous avons comme enseignement j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Cela donc nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Romains 9, le verset 10 à 13. Dans un premier temps, nous allons tenter de comprendre pourquoi Dieu a dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü et pourquoi Dieu a fait le choix de Jacob. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut dire? Abraham reçoit la promesse. Maintenant, il faut déterminer à qui reviendra cette promesse. Car nous savons que Abraham a plusieurs fils. Dans un premier temps, le fils qu'il a, c'est avec sa servante Agar, Ismaël. Et après la mort de Sarah, Abraham prend pour femme Keturah. Et il a aussi des fils de Keturah. Mais le Seigneur confirme sa parole et il lui dit que c'est d'Isaac qu'il aura une postérité qui lui sera propre. D'ailleurs, Sarah va dire à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Et Dieu confirme cette parole, en effet, dans le livre de Genèse 21, le verset 12. Donc, nous savons que Isaac reçoit la promesse. Donc, Isaac, en réalité, c'est le fils de la promesse. Et en Isaac, cette postérité va voir le jour. Donc, cette postérité sera en Isaac. Donc, maintenant, pourquoi que Dieu a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü? Est-ce par rapport à un caractère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu déterminer le choix de Dieu, qui aurait pu déterminer ce choix? Donc, nous allons tenter de regarder cela ensemble. Donc, il est vrai que Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Il est vrai également que Ésaü a fait alliance avec des femmes étrangères. Donc, il y a eu des alliances avec des femmes étrangères. Mais que dire de Jacob? Jacob lui-même a volé la bénédiction de son frère. Jacob était quand même un homme sournois, un homme rusé, un homme qui manquait pas de saisir quelles que soient les opportunités qu'il se présentait devant lui. Vous savez comment qu'il a pu avoir le droit d'aînesse de son frère. Donc, tout ce tableau que nous voyons, ni l'un ni l'autre n'aurait pas été, des candidats potentiels pour recevoir la bénédiction. Donc, si ce n'est pas le caractère, pourquoi donc Dieu a-t-il choisi Jacob et rejeté Ésaü? Donc, nous allons voir cela dans le livre de Romains 9, le verset 11. Car, et je lis pour vous, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle. » Donc, nous avons notre première réponse. La Bible dit que, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal. Donc, cela ne dépendait pas du caractère de Jacob ou même du caractère d'Ésaü, mais la Bible dit que, afin que le dessein de Dieu, le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. Donc, nous voyons la grâce de Dieu. Nous voyons également uniquement par sa volonté. Jacob représente tous les chrétiens. Rappelez-vous que lorsque nous étions encore pécheurs, nous avions fait aucune bonne œuvre pour mériter la grâce de Dieu. Nous n'avons rien fait pour cela, puisque la Bible nous dit « c'est par grâce que vous êtes sauvés ». Par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous, mais seul, afin que personne ne s'en glorifie. Mais ça a été uniquement par la grâce. Donc, Jacob représente
ce chrétien, malgré sa position déchue, car la bénédiction ne revenait pas à Jacob, mais plutôt à son frère Ésaü. Et Dieu décide, dans son amour, dans sa grâce, de choisir Jacob. Dieu décide de transmettre la bénédiction d'Abraham à Jacob. Donc, nous savons que Jacob n'a rien fait pour cela. Et cela exclut également les œuvres. Donc, nous savons qu'il n'y a absolument rien que nous puissions faire et que nos œuvres n'ont pas pu également amener Dieu à nous faire grâce. Mais Dieu l'a fait uniquement selon son amour et par sa grâce. Et si c'est par grâce, ça exclut totalement les œuvres. Regardez ce que le livre de Romains 8, le verset 30 nous dit. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Regardons également Éphésiens 1er. Donc nous allons voir ce que le livre de Éphésiens nous dit par rapport à la grâce de Dieu et à sa souveraineté. Donc Éphésiens 1er, le verset 4 nous dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a donné en son bien-aimé. Le verset 6, je le répète, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, lorsque Dieu a fait le choix de Jacob, c'était uniquement pour la gloire de son nom. Et Dieu va parler à Moïse dans le livre de Romains, le chapitre 9, le verset 15. Il dit à Moïse, écoutez ce que Dieu va dire par rapport à sa grâce et à sa miséricorde. Il dit: je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion. De qui j'aurai compassion? De qui j'ai compassion? Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu fait grâce à qui il veut et il a compassion de qui il veut. Dieu est souverain. Dieu est souverain dans la dispensation de ses grâces. Et cela, face à la souveraineté de Dieu, aucun théologien ne peut expliquer cette chose. Aucun théologien ne peut expliquer pourquoi que Dieu fait grâce, parce que Dieu dit: je fais grâce à qui je veux et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Et devant la souveraineté de Dieu, nous faisons que nous courber devant sa volonté et recevoir avec grâce ce que Dieu nous a donné. Et c'est ce qui arrive à Jacob. Jacob reçoit cette grâce uniquement, cette bénédiction uniquement par grâce. Donc, restez avec nous et nous allons continuer cette étude. Donc, nous allons y revenir. Merci de vous joindre à nous. Et pour ceux qui étaient là dès le début, merci encore d'être présents avec nous. Donc, vous connaissez le sujet de l'étude ce soir. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dans un premier temps, nous avons vu pourquoi que Dieu a choisi Jacob. Nous avons vu cela a exclu totalement les œuvres. Cela a exclu totalement le caractère de Jacob. Dieu a choisi Jacob dans son amour, dans sa grâce et je dirais même dans sa souveraineté
puisque nous savons que Dieu est souverain dans les dispensations de sa grâce. Nous savons également que quand le Seigneur fait quelque chose, il le fait et personne ne peut lui demander pourquoi il l'a fait. Puisque Jacob n'était pas disposé, puisque Jacob n'était pas celui qui devait recevoir la bénédiction, mais Dieu en a choisi autrement. Nous avons répondu à la première question, pourquoi Jacob? Mais ça a été uniquement selon sa grâce. La deuxième partie de l'étude maintenant se retrouve maintenant, pourquoi Dieu a dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Nous allons regarder, nous allons examiner ensemble la bénédiction d'Abraham, de Abraham à Isaac et de Isaac à Jacob. Cette bénédiction ne change pas. La bénédiction d'Abraham que le Seigneur a donnée à Abraham sera confirmée à Jacob. Donc Jacob va recevoir cette confirmation de cette bénédiction. Laissez-moi vous dire que la bénédiction de Jacob donc est sur plusieurs volets. Allons regarder de plus près cette bénédiction nationale, territoriale, terrestre et spirituelle. Allons regarder cela. Donc nous pouvons retrouver cela dans Genèse 12, le verset 2, ce que Dieu dit à Abraham. Regardons cela. Dieu dit, je ferai, donc nous sommes dans Genèse 12, le verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous pouvons dire que cette bénédiction, que cette promesse a été accomplie. Car toutes les trois plus grandes religions tirent les trois plus grandes religions reconnaissent Abraham comme celui que Dieu a choisi. Donc, quand on parle des trois plus grandes religions, on parle bien évidemment du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Donc, les trois plus grandes religions au monde reconnaissent Abraham comme celui qui a reçu la promesse, la bénédiction. Donc, son nom a été rendu grand parmi les nations et tous les peuples, toutes les nations parlent d'Abraham. Il est une source de bénédiction et comme je viens de citer les trois plus grandes religions. Et Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Donc nous voyons cette bénédiction nationale. Dans Genèse 13, le verset 15, Dieu le dit, Genèse 13, verset 15, « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. » Donc ça, c'est la bénédiction territoriale. Dans Genèse 12, le verset 2, nous voyons que Dieu dit, « Je ferai de toi une grande nation et toutes les peuples, toutes les nations de la terre seront bénies par toi et tu seras une source de bénédiction. » Nous avons vu cela. Et dans Genèse 13, le verset 15, nous voyons la bénédiction territoriale qui dit, « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. » Donc, maintenant, nous savons que cette bénédiction, nous pouvons aussi regarder dans Deutéronome 28. Je vous invite à aller la regarder. Deutéronome 28 nous détaille cette bénédiction d'Abraham qui dit que « Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre ». Nous voyons l'abondance également dans cette bénédiction. Donc, nous parlons de la bénédiction terrestre également. Nous voyons également la protection aussi, car Dieu dit « L'Éternel te bénira à ton arrivée et à ton départ. Tes ennemis sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Nous voyons l'abondance. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Donc, le Seigneur, tes entreprises, tu vas prospérer dans toutes tes entreprises. Tu seras en haut, tu ne seras jamais en bas. Tu seras la tête et non la queue. Dans Deutéronome 28, vous pouvez voir en détail cette bénédiction. Maintenant, Jacob reçoit, une fois que le Seigneur
ait fait le choix de Jacob, Jacob reçoit cette confirmation de cette bénédiction. Ce que nous devons comprendre et ce que nous apprenons, Dieu parle une fois et Dieu confirme toujours sa parole. Et nous allons regarder cela dans le livre de Genèse, le verset 27 à 28. Genèse 27, le verset 27 à 28. Donc, c'est Isaac qui transmet cette bénédiction à Jacob et il lui dit « Que Dieu te donne de la rosée du ciel, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Donc, on sous-entend donc la rosée du ciel, de la graisse de la terre et du blé et du vin en abondance. Donc, nous voyons l'abondance, bien évidemment. Que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi, donc la supériorité. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Donc, cette confirmation, ce que Dieu a dit à Abraham, a été confirmé par Isaac lors de cette transmission, de cette bénédiction. Maintenant, si on regarde l'aspect spirituel, donc nous avons regardé l'aspect national, une grande nation, le territoire, regarde cette terre et parcours-la, car je te donnerai à toi et à ta postérité. Nous avons vu l'aspect terrestre, matériel, donc si on peut dire ainsi, puisqu'il y a de grandes richesses, de grandes abondances, la rosée du ciel en abondance, la graisse de la terre en abondance. Donc nous voyons cela, donc nous voyons également le succès, donc il y a une bénédiction matérielle qui est attachée à cette bénédiction. Et nous allons aussi regarder cette bénédiction, l'aspect spirituel de la bénédiction. Donc, nous pouvons voir cela dans Romains 9, le verset 4. Donc, vous pouvez également le revoir un peu plus tard, mais je vais vous dire exactement qu'est-ce que nous entendons par l'aspect spirituel de la bénédiction. L'aspect spirituel de la bénédiction comprend les alliances, la loi, le culte et les promesses. Donc, l'aspect comprend les alliances, la loi, le culte et les promesses. L'alliance, pour commencer, c'est Dieu lui-même qui s'engage envers Abraham et sa descendance, et cela passera par sa fidélité. Donc, c'est Dieu qui s'engage et cela se passe par la fidélité de Dieu. Car Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. » Donc, c'est Dieu qui fait cette déclaration à Abraham et Dieu s'engage envers Abraham. En retour, la descendance d'Abraham doit reconnaître le Dieu d'Abraham comme l'unique Seigneur, leur unique Dieu. Et en retour, ils doivent le servir. Donc, l'alliance. Le deuxième point, nous avons parlé de la loi. Et pourquoi je parle de la loi? Car la loi est spirituelle. Donc, la loi comprend quoi? Les commandements et les préceptes de Dieu pour avoir une pleine connaissance de qui est Dieu. Bref, pour avoir une révélation complète de qui est Dieu. Et cela passe par ses commandements et ses préceptes. Le troisième point, nous parlons du culte. Donc, le culte, donc les ordonnances qui sont relatives à celui-ci. Donc, nous parlons du culte et les ordonnances qui sont relatives à celui-ci. Donc, le sanctuaire terrestre, ce qui comprend les offrandes, les sacrifices d'animaux et le sacerdoce. Donc, ces trois points sont spirituels. Donc, ce peuple va appartenir à Dieu. Ils vont devoir connaître qui est Dieu d'après ses commandements et ses lois. Ils vont aussi avoir par ses commandements une pleine connaissance de qui est Dieu. Ils vont également avoir seulement le Dieu d'Israël
pour leur Dieu. Donc, la descendance d'Abraham va avoir un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Et en retour, ils vont devoir s'engager à servir ce Dieu. Et au niveau du culte, donc, ils vont savoir comment servir ce Dieu. On ne sert pas ce Dieu, le Dieu d'Israël, de n'importe quelle façon. C'est pourquoi que nous parlons du culte avec les offrandes, les sacrifices. Donc, nous parlons également du sacerdoce. Il est clair que Ésaü est exclu de tout ça. Mais que lui reste-t-il? Il lui reste, bien évidemment, pas grand-chose. Il lui reste tout le contraire de ce que on vient de citer pour Jacob. Donc, qu'est-ce qui reste à Ésaü? Il sera à Ésaü. Donc, il sera sa demeure sera privée de la graisse de la terre et sa demeure sera privée de la rosée du ciel d'en haut. Il vivra de son épée. Il sera asservi à son frère Jacob, mais en errant librement ça et là, il brisera son joug de dessus de son cou. Donc, il ne reste pas grand-chose puisque Ésaü a été exclu de la bénédiction d'Abraham. Donc, nous allons continuer. Donc, cela vient de confirmer quoi? Donc, puisqu'il a été exclu de la bénédiction d'Abraham, cela vient confirmer ce que Dieu a dit à Rebecca dans Genèse 25, verset 22. Ce qui a été prononcé par Isaac a été confirmé par ce que Dieu a dit à Rebecca dans Genèse 25, 22. Et nous allons regarder cette prophétie que Dieu a donnée à Rebecca. Regardons cette prophétie. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans le verset 22. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel, le verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, voilà la parole prophétique que Rebecca reçoit. Donc, Dieu lui dit, tu es enceinte et deux nations se forment dans ton ventre ou sont dans ton ventre. Donc, le plus petit va assujettir le plus grand. Nous savons que, selon Genèse 33, que Jacob s'est réconcilié avec son frère. Nous savons que également, après cette réconciliation, chacun est parti de leur côté. Mais il y a eu réconciliation. Dans cette prophétie que nous voyons, il est clairement mentionné deux nations, deux peuples. Et si nous identifions la descendance de Jacob. Nous savons que la descendance de Jacob, ce sont bien évidemment les fils d'Israël. Donc, et le prophète Ésaïe confirme le choix de Dieu, car il est écrit dans Ésaïe 41, verset 8, qui dit « Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. » Dieu confirme encore le choix de Jacob, car il dit « Israël que j'ai choisi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. » Maintenant, qui est la descendance d'Ésaü? C'est ce que nous allons voir dans Genèse 36, le verset 9 à 12, pour répondre à cela. Genèse 36, le verset 9 à 12. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici le nom des fils d'Ésaü, Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü, Réel, fils de Basmat. Donc là, nous regardons la descendance d'Ésaü, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tesfo, Géatam et Kenaz. Et Théman, le verset 12,
était, et Tinam, et Tina était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Et pour mieux comprendre l'étude, nous allons nous concentrer sur une descendance, sur la descendance d'Ésaü. Et celui qui m'intéresse particulièrement, c'est le petit-fils d'Ésaü, qui est le fils de la, qui est le fils de la concubine de son fils Éliphaz, qui est Amalek. Et nous allons voir qui est Amalek et que représente Amalek pour le peuple juif. Donc, regardons cela dans le livre de Exode 17, le verset 8 à 7, le verset 8 à 16. Exode 17, le verset 8 à 16. Amalek, donc là, donc nous parlons d'Amalek ou de des Amalécites. Amalek vint combattre Israël à Réphidim, donc nous parlons des Amalécites. Alors Moïse dit à Josué, choisissons-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. La main de Moïse étant fatiguée, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre. L'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écoutez cela. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc, Dieu déclare la guerre à la descendance d'Ésaü. Donc, nous avons vu que Amalek était le petit-fils d'Édom. Et des années plus tard, lorsque le peuple juif sort de l'Égypte, Amalek leur ferme le chemin et ils viennent combattre Israël. Et Dieu dit, j'effacerai le nom, la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Dieu déclare, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc, nous pouvons dire que lorsque Dieu a parlé à Rebecca, il faisait référence à la descendance de Jacob et il faisait aussi référence à la descendance d'Édom, parce que le Seigneur a dit, il y aura guerre entre l'Éternel donc et Amalek. Et le Seigneur a parlé de nation et de peuple. S'il a parlé de nation et de peuple, c'est-à-dire qu'il parle de leur descendance. Et la descendance d'Amalek est celui qui est venu combattre Israël à leur sortie d'Égypte. Et nous savons que celui qui combat le peuple de Dieu, combat Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui engage cette guerre. Dieu déclare cette guerre de génération en génération. Nous allons voir également dans
1 Samuel, le verset 15. Dieu parle à le prophète, Dieu parle au prophète Samuel et il dit, va dire à Saül, le roi, je me souviens de ce que Amalek fit. Nous allons voir cela. Donc Dieu dit, je me souviens de ce que Amalek a fait à Israël lorsqu'il les a fermé le chemin. Donc Dieu s'est souvenu et Dieu demande au roi Saül de combattre les Amalécites. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc Dieu demande de dévouer par interdit les Amalécites. Parce que souvenez-vous que Dieu a déclaré la guerre aux Amalécites. Donc nous savons également du temps d'Esther que Aman, le fils d'Amedata, l'Agagite, était également un descendant des Amalécites. Et Aman voulait absolument exterminer tous les Juifs. Donc cette colère, cette haine que la descendance d'Ésaü a eue contre Jacob a eu des répercussions après plusieurs centaines d'années. Et Dieu combat pour Israël, son peuple. Donc actuellement, où se trouvent les Amalécites d'aujourd'hui? Les Amalécites, nous sommes d'accord que c'est une ancienne population qui se situe à la ceinture méridionale de la Palestine. Donc actuellement, sur la terre de la Palestine, il y a une forte concentration du peuple Amalécite, donc des Amalécites. Et ce peuple est en train de actuellement également combattre Israël. Écoutez, l'histoire raconte que à chaque fois que les Juifs quittent leur terre, ils y retournent toujours. Le départ, donc ils sont partis pour l'Égypte et ils se sont dirigés vers la terre promise. Il y a eu déportation à Babylone et après le temps accompli, le peuple juif est retourné vers leur terre après la déportation. La dernière dispersion des Juifs a eu lieu 70 ans après Jésus-Christ et elle dure jusqu'à nos jours. Et nous savons que le peuple juif, maintenant, est en train de retourner vers sa terre. Regardez ce que le prophète Ésaïe a déclaré dans Ésaïe 11, le verset 11 à 12. Nous allons voir ce que le prophète Ésaïe déclare le prophète Ésaïe déclare du retour des Juifs vers sa terre. Donc, même lorsque le peuple juif quittera sa terre, il va toujours y retourner, car cela fait partie de la promesse territoriale de Dieu. Donc, regardons cela, ce que le prophète Ésaïe a prophétisé. Donc, Ésaïe 11, dans le verset 11. Donc, dans ce temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Chinéa, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda. Donc, nous voyons un retour vers sa terre. Donc, Dieu dit, le Seigneur va rassembler le Seigneur va rassembler son peuple sur sa terre, où ce qu'ils ont été dispersés. Donc, nous voyons plusieurs pays. Nous voyons
Patros, l'Éthiopie, Élam, Chinéa, Amat. Donc Dieu dit au-delà des îles de la mer, Dieu va rassembler son peuple et il va encore les ramener vers la terre promise. Donc parole du Seigneur qui a été prophétisée par la bouche de son prophète Ésaïe. Et il dit, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda. Nous savons que après le massacre des Juifs et après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs décident de retourner sur leur terre, car c'était la promesse de Dieu. Nous avons vu que le Juif retourne toujours, peu importe, vers sa terre. En 1947, l'ONU propose un plan de partage de la Palestine qui est au cœur du conflit que nous connaissons aujourd'hui. Le plan de partage a été voté à l'Assemblée générale de l'ONU le 29 novembre 1947. Donc, Israël est dispersé. La Palestine, donc, maintenant est occupée par d'autres nations. Et nous savons qu'il y a la présence également des Amalécites, la présence des Amalécites sur cette terre également. Et il y a un plan de partage qui a été voté à l'Assemblée générale de l'ONU le 27 novembre 1947, qui prévoit un État arabe et un État juif. Bien évidemment, cela ne peut pas fonctionner. Deux pays, deux peuples, deux nations ne peuvent pas vivre sur un même territoire. En 1948, donc le 14 mai 1948, un certain David Ben-Gurion proclame l'indépendance de l'État d'Israël suite à cette indépendance, cinq États arabes déclarent la guerre à l'État d'Israël. Bref, Israël est entouré de ses ennemis et même de ses ennemis proches parents, car les Arabes, les fils d'Ismaël, combattent Israël et soutiennent la Palestine. Les fils de Lot, qui entourent Israël, combattent Israël et soutiennent la Palestine. Donc Israël, les fils d'Édom également combattent Israël, mais nous savons que Israël n'est pas seul, car le Seigneur a dit, je combattrai les ennemis d'Israël et Israël sera vainqueur. Les promesses actuellement de l'Alliance doivent tous être accomplies. Donc les promesses de cette Alliance doivent absolument s'accomplir. La nation d'Israël qui est retranchée, donc nous voyons que la nation d'Israël est retranchée, mais elle doit être sauvée. Donc selon Romains 11, le verset 17 à 26. Donc Dieu a fait des promesses à Abraham et ces promesses doivent s'accomplir. Et une des premières promesses, nous voyons que la nation d'Israël a été retranchée, elle doit être sauvée. Donc cela se fera après avoir été purifié dans la grande tribulation. La promesse ultime que Dieu a donnée que Dieu a dit à son peuple, il possédera sa terre à perpétuité. Donc Israël possédera sa terre à perpétuité selon Amos 9, le verset 11 à 12. Une autre promesse qui doit s'accomplir, que Dieu a donnée également, donc c'est le fils de David, le Messie, qui doit s'établir sur cette terre et pour le règne. Le Messie doit venir pour s'établir et pour son règne de 1000 ans. Donc, les Juifs attendent encore le Messie et ils savent que le Messie doit venir sur cette terre de Palestine. Donc, pas étonnant
pourquoi que le diable est aussi acharné, parce que le second du retour de Jésus se fera sous cette terre et Dieu établira son royaume pour 1000 ans sur cette terre de la Palestine. Qu'en est-il de nous, l'Église? Qu'en est-il de... Quelle est notre position par rapport à cela? Notre position, nous devons prier pour Israël. Nous devons également soutenir Israël, car nous savons que nous-mêmes, l'Église, Dieu avait prévu dans la bénédiction d'Abraham, l'Église également. Donc, l'Église va régner dans ce royaume de justice et de paix. Et nous serons avec Jésus dans ce royaume également. Alors, pour terminer, nous nous rappelons de cette dernière parole que Dieu a donnée. Et nous nous rappelons de cette dernière parole que Isaac a prononcée à Ésaü. Isaac lui dit, tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Donc, tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug au-dessus de ton cou. Donc, le seul moyen pour Édom de connaître la paix et de briser le joug de son frère, c'est d'entrer dans le plan de la rédemption de Dieu, que Dieu a prévu pour toutes les nations, pour tous les peuples, sous la bannière de Christ. Ainsi, Édom brisera le joug qui pèse sur son cou depuis tant d'années, voire des millénaires. Donc, c'était tout. Aujourd'hui, nous avons regardé ensemble, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, et Dieu a également un plan de rédemption pour toutes les nations, et y compris Édom. Que Dieu vous bénisse, merci d'avoir été des nôtres, et à une prochaine étude de la parole de Dieu. Nous étions au cœur de la parole.